Et je pense que faut arrêter de vouloir imposer ses critères à tout le monde. Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vlog. Du coup, ce matin, j'ai bossé. Il est déjà 10h30, je crois, presque 11h. J'ai bossé du coup sur un montage vidéo qui est sorti pour vous, je pense, la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est sortir parce que bah, je ne sors pas trop ces derniers temps. Donc il faudrait que je remédie à ça. En commençant par aller à la salle et j'aimerais bien aller à Ikea. Ikea, c'est soit aujourd'hui, soit demain. Dans tous les cas, ça veut dire que le vlog fait soit une journée, soit deux jours. Hein. Ça va dépendre de ma motivation d'aujourd'hui, mais j'aimerais faire ça. Et voilà. Donc, dans tous les cas, si le vlog t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à cette chaîne. Là, on va aller me faire à manger parce que j'ai faim. Enfin, surtout mon petit-déj, en fait. Enfin, c'est pas l'heure du petit-déj, tu me diras. Mais c'est pas grave. Ok. J'ai envie de me faire des œufs et j'ai un reste de légumes qu'il faut que je consomme. Et j'avais fait une omelette avec l'autre jour. C'était de la bombasse. Donc, j'ai envie de me refaire ça ce matin. Donc, let's go pour ce vlog. C'est parti. On se retrouve dans ma cuisine. Comme tu peux le voir, je suis en train de me préparer cette fameuse omelette. Du coup, c'est tout simplement des œufs avec de la farine, un peu de levure et j'utilise le reste de légumes que j'avais dans mon frigo. Donc, j'avais des carottes et j'avais aussi des feuilles de chou-fleur. Je savais pas que ça se mangeait et j'ai fait mes petites recherches et oui. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je les ai mis sur mes œufs déjà une première fois et là, j'ai refait. Et j'aime trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi mis tout simplement des épices, sel, poivre, persillade, persil, ça dépend de ce que j'ai sous la main. Et à la fin, j'aime bien aussi saupoudrer de paprika. J'aime trop le petit ajout de couleur du paprika sur les omelettes. Donc voilà. Si tu testes, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bon, c'est pas passé, j'ai dit ok, mais bref, ma recette d'omelette, elle passe trop bien. J'ai juste mis un tout petit peu trop de farine cette fois-ci, mais sinon elle est super bonne. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que je fasse passer ce ok, là c'est plus possible. Du coup, là, je me suis mise en tenue de sport, ensemble Women Best. J'aime beaucoup leur ensemble, ils sont super confortables et je les trouve jolis. Mais bref, c'est pas le sujet. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre mon ménage. En soi, j'ai déjà commencé. J'ai débarrassé les vêtements sur l'étendage. J'ai défait mon lit pour changer les draps, tout ça, tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma vaisselle. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini la vaisselle, ben, je partirai pour aller à la salle. Donc, je vais m'occuper de ça. Tell me what you said. You said that you would come again. You said that we would remain friends, but you know that I do not depend on nothing or no one. So why would you show up so uninvited? Just change my mind like that. Please don't take this personal. But you ain't shit. Thank you.
fast, we do what we want. I guess I'm doing what I want. Hope you doing what you want. Look like Tyler Perry, but she don't love me, she's too scary. My hope is fine like Jackie Brown. Hey, I wanna know, but she's too down. Will you be my leading lady? I wanna contract deal, no, maybe. In the meantime, it's the meantime. A beast like Odell. Oh. Over my mind, killers don't tell. Shadow my mark of the New York the shell. Now my bitch is digital Chanel. Will you be my leading lady? I wanna call you and get a little maybe. Maybe. In the meantime. It's the meantime. Bon, bon, bon. Séance terminée. Et... si vous voulez que je vous dise la vérité, je suis pas fan de cette salle de sport. Bah écoutez, elle fait l'affaire, tu as du matériel et tout, comme d'hab, un peu comme tous les Basic Fit. Mais l'agencement, il est juste pas possible en fait. T'as deux étages, pas mal de séparation et j'aime pas. J'aime pas ce genre de salle. Et j'aime pas non plus toutes les petites séparations qu'il y a, enfin... elle me réveillera pas de sitôt. C'est pire encore que la salle de Bardieu. La salle qui est près de la gare, c'était quelque chose, mais celle-ci, vraiment, j'arrive pas. J'y adhère pas du tout. Donc, voilà. En plus, l'un des trucs qui m'a pas spécialement plu, c'est qu'il y avait de la poussière. Je me dis, mais vous passez pas l'aspi ou quoi? C'est pas pour les clasher, je vous rassure, mais franchement... ça m'a pas du tout donné envie d'y retourner, que ce soit l'agencement, le niveau de propreté, les découpes dans la salle. Je me suis dit « no way, elle me reverra plus jamais, never and ever ». Donc voilà, on y va, let's go. Coucou guys, on est le lendemain, du coup comme je vous ai dit on va à Ikea, on est en début d'après-midi, il est 14h passé, il faut que je me bouge un peu parce que j'ai pas envie d'arriver au moment où tout le monde va à Ikea tu vois. Du coup, je suis en train d'hésiter entre deux paires de chaussures, soit je pars sur des chaussures bleues comme ça, sachant que je suis en jean et tout, soit je pars avec celle-là, soit je pars avec ce modèle. Du coup je vais essayer les deux et voir lequel me plaît le plus. Mais voilà. Il me faut une paire de chaussettes. On voit pas bien. Ah, je recule un peu. Voilà. Ou celle-là. J'aime bien celle-là. Je crois que je vais mettre celle-là. En soi, j'ai vu plein de vidéos genre pour faire des photos sur mon ascenseur. Mais le temps que je fasse ça, je prends 10 ans et je suis déjà hors de l'ascenseur quoi. Donc bref, une prochaine fois. Ou jamais. Je sais pas si vous me voyez super bien, mais il fait super beau les gars. Ça fait trop du bien. Je suis juste en perfecto et en body. Pas besoin de pull, rien. Il y en a qui sont même en t-shirt. Moi, je peux pas parce que je suis team frileuse, mais franchement, il fait super beau. Donc, ça fait du bien. Là, on a des petits trucs. Et voici Ikea. J'arrive, j'arrive. Bien, durant ce moment où je serai à Ikea, ben, je vais en profiter pour te parler d'un sujet qui m'a touchée et dont j'ai entendu parler durant le week-end passé. Et j'avais envie de t'en parler, de te partager ça, parce que, bah, en fait, ça, une personne disait que
tu n'es pas normal et que tu ne connais pas la vie si tu ne travailles pas comme tout le monde, si tu ne fais pas ci, ça, ça, de telle ou telle façon. Et c'est encore ce fait de vouloir mettre les gens dans des cases, en fait. Ce besoin de toujours respecter les normes. Parce que sinon, t'es pas comme tout le monde, t'es pas comme les autres, t'es limite bizarre. Tu vois ? Par exemple, moi, actuellement, je ne travaille pas, ok ? Mais en même temps, j'essaye de développer, de créer quelque chose, de me développer aussi sur YouTube, de développer mon petit truc d'illustration, tout ça, tout ça. Mais si on regarde le côté conventionnel, ben, c'est pas un travail, entre guillemets, normal. Pour la société, actuellement, ils font se dire juste, elle fait rien et elle glande. Faire des montages, c'est pas quelque chose de ouf, quoi. C'est pas un vrai travail, limite. Alors que quand je me tape des montages, je peux facilement me les faire, ça peut facilement me durer 3-4 heures, voire beaucoup, beaucoup plus. Mais pourtant, on va pas me dire que c'est pas du travail. Mais étant donné que je suis pas rémunérée pour ce que je fais, étant donné que je ne le fais de chez moi, étant donné que ce n'est pas reconnu à l'heure actuelle, ben, on va dire que je ne fais rien. Ok ? Et si on s'arrête à ça, même les personnes, pour une amie que je connais, qui travaillait pas et qui s'occupait de ses filles, on lui dit limite que c'est pas normal, t'es pas censé, en gros, travailler de chez toi. Enfin, t'occuper de tes enfants, limite, on te dit c'est pas un travail. Alors que si, en fait, selon qui c'est pas un travail ? Enfin, les personnes, des fois, qui pensent comme ça, n'ont jamais vraiment non plus essayé de faire les choses de cette façon. Et je pense que faut arrêter de vouloir imposer ces critères à tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes critères que toi et les mêmes envies que toi. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, si t'es d'accord et si t'as d'autres avis là-dessus, dis-moi tout, je veux tout savoir. Guys, salut, je viens de rentrer, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris à Ikea, j'ai pas pris grand-chose. Alors, je vais avancer un peu. J'ai pris ces verres-là. Ils sont trop cute. Je les montrerai déballés à côté ou sur quelque part sur la vidéo. Et je vais essayer de me trouver des pailles pour voir avec et aussi avec mes autres grands verres que j'aime beaucoup, avec lesquels vous voyez souvent boire de l'eau et tout et tout. Donc j'aimerais bien avoir des pailles. Je vais regarder sur genre Amazon, Shein, comparer un peu les prix, ce genre de choses. J'ai aussi pris un petit cadre doré. C'est pour mettre une photo du coup de Snoopy et nous à l'intérieur, parce qu'il mérite d'avoir sa petite photo à la maison. Donc bientôt je vais imprimer et tout, faire ce qui est nécessaire. Et je le trouvais trop mignon, donc voilà. J'ai aussi pris des tasses comme ça. C'est pour mon copain pour qu'il prenne son café. Et du coup, bah maintenant, il est équipé. Et moi aussi, comme je lui fais, comme ça, je suis à la bonne hauteur. Nickel, quoi. Donc, voilà. J'ai pris les petites coupes qui vont avec. Je les tiens dans n'importe quel sens. Là, c'est mieux. J'ai pris les petites coupes qui vont avec. Et pour finir, j'ai pas pu résister. Je me suis pris une petite bougie à la vanille. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là, mais elle passe trop bien, en fait. Elle passe juste trop, trop bien. Donc, je l'ai reprise. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. C'est tout ce que j'ai pris, du coup, à Ikea. Du coup, les gars, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!